Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus petit pas de Sabrecoup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui une nouvelle vidéo très spéciale. Puisque on va tout simplement regarder des replays d'une très bonne joue 2.6. Regardez, on a fait 7-4-3 avec, donc c'est vraiment une très bonne joue 2.6. Avant que la vidéo commence, c'est très très important, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, avec d'autres joueurs et d'autres types, d'autres archétypes. Donc la chaîne de Leslie sera évidemment dans la description, mais n'hésitez vraiment pas à la checker, elle fait des très bonnes games. D'ailleurs, cette dernière vidéo, elle a battu Sandbox en super défi pour faire son badge x10. Donc voilà, donc on va se regarder une game en ladder, donc moi j'ai 2.6 max, donc on va pouvoir faire ça. J'ai pas vomi tous les défis, est-ce que je pourrais mettre dernière game? Non, on va voir, mais c'est pas grave. Donc on va se mettre les premiers replays. Bon, j'essaie d'analyser un petit peu comment jouer le deck et tout, et on va voir. Après on va jouer en ladder et voilà. Ok, bon. Mec qui part pour mon fond. C'est un PK Kava. Donc PK Kava avec un pêcheur. Un magic, j'arriverai clairement pas à jouer, je pense que je me fais détruire maintenant. Ok, PK first play, d'accord. Le mec il a pas trop de temps de niaiser, ok. Ok, une première mousquetaire qui va être joué ici. Alors moi le bomber qui va mourir, ouais, le bomber qui meurt. Et là comment on va défendre? Ok, sûrement le canon au milieu déjà. Ouais, canon au milieu, ah. Le beau canon. Ah. Ok, bon. Ok, début de game, ok. Bon, on prend déjà beaucoup de dégâts. Alors, comment on va gérer ça? Le pêcheur, ouais, le pêcheur qui est assez éclaté, je crois. Ouais, tu connais autour du roi. Allez, mettre 3 coups de cochon par contre, ça c'est vraiment cool. Ok, le bon esprit ici pour aller prendre 0 coups de Diwiz. Chevalier d'or, comment on gère ça? Ouais, les squelettes, logique. Ok, là, mousquetaire peut-être un tout petit peu trop tôt. Le bon golem de glace pour ça, je sais faire, donc ça c'est pour l'instant ça. Ok, début game un peu catastrophique, mais je. On va la remonter, je sais qu'on va la remonter, mais alors comment? Alors ça, j'en ai aucune idée. Encore ça va, on a bien gratté à gauche, donc ça, ça va. Maintenant, on va voir comment un XF2 va gérer un push de l'espace-temps. Du futur qui vient du futur. Ah, la mamie qui est chiante, ok, bon, cochon, logique, la Ikava, ouais, logique. Boule de feu, ok, normal jusque-là. Canon. Ok. Là, on fait comment, là? Ouais, esprit de glace, ouais. Gun de glace, là, je suppose, pour... non. Ok, gun de glace, on a pas perdu dash, parce que le dessous, il l'a joué, donc c'est normal. Le mec est un peu con, d'accord. Je vois. Ok, pour l'instant, elle a l'avantage, donc ça, c'est cool. Ok, logique, cochon. Ouais, projet de boule de feu, dommage. Un petit coup, dommage. Voilà, pêcheur et le PK qui va être tapé. Alors là, la vraie question, c'est comment on va le défendre. Après, encore une fois, en face, on n'a pas de food ni de boule de feu. Donc ça arrange très clairement. Les flèches qui peuvent être loues aussi. Ok, là, en boule de feu. Ok, voilà, canon. Et ce truc-là, je suppose. Oh, voilà, nickel. Voilà, là, logique, on fait tourner. Là, comment on va défendre? Cochon, mettre pression cochon, logique. Les petits squelettes, malheureusement, le beurre qui va être là. La bonne bûche, hein, à gauche. Suite glace, ouais, nickel. Qu'est-ce que c'est bien joué. Voilà, défense qui était parfaite. Une récente une pression derrière, ok. Le gun de glace qui était juste à temps. Boule de feu? Non. J'aurais paniqué, j'aurais boule de feu, moi, en même temps. Ouais. Canon, squelette, logique, ok. La bonne bûche, je pense. Non, pas de bûche? Ok, on va se mettre 3 coups de bomber, ça fait mal, attention. Ok, l'esprit de glace qui est bien joué. Ok, le cochon, un coup, cochon, deux coups, cochon, deux coups. Ok. Là, c'est très serré, très très serré. Là, on fait une grosse remontada pour Leslie. Oh là là, le pré-shot, oh le pré-shot pêcheur. Et là, on va aller sur ça. Oh là là, oh non, dommage. On a une bûche, oula, je bégaye. Une bûche, une boule de feu. Voilà, là on va juste cycler, hein, logique. Voilà, là, cette game, juste incroyable. Bon, maintenant c'est à nous. Alors maintenant c'est à nous. Là le problème, je vais juste vérifier que j'ai le bon deck.
Alors maintenant c'est à nous. Ok, allez, c'est parti. Projet de main est horrible par contre. Bon, on va commencer par ce qu'il a chebu, tranquille. Ok, est-ce que la 12 déjà c'est une bonne nouvelle. Ouais, niveau 14, ça c'est... Oh non, pas Dark X, s'il vous plaît, pas Dark X, frère, pas Dark X. Ok, 2.6, ok, normalement on devrait gagner, s'il est si bon à trophée, on devrait gagner, normalement. Ouais, l'avantage, c'est que tu sais comment jouer le match-up, j'ai déjà joué plusieurs fois. Ok, là on va les bûches, évidemment, oh la bonne bûche, hop, parfait. Là, va jamais de très bons dommages, oh là là, value. Ok, déjà, mais 3 coups là. 3 coups sur ça, c'est vraiment bien. 3 coups, c'est vraiment bien. Ok, c'est vraiment bien. Déjà, on a un gros avantage. Hein. On a un gros avantage là. Faut pas cycler n'importe quoi dans le 2.6. Donc, on va d'abord cycler les squelettes tranquillement. Et je pense qu'on va faire la même. Écoutez, je pense que là, on va faire exactement la même. Et bah, il a rage kit. C'est dit, bah en fait le frérot est beaucoup trop fort. D'accord, bon bah on va aller faire acheter la première game, hein. Du coup bah... à pas se plaindre, un petit free win, je vais pas me plaindre, honnêtement. Je suis pas du genre à me plaindre d'une free win, hein. Oh, vous mytho. On va laisser la petite rencontre avec un petit 2.6, ça fait plaisir, hein. La petite win là. Elle est gratos, elle mange pas de pain. Bon bah c'est cool. Première game, réussite. La pire agite sur un placement, voilà, un niveau 14, 2.6, si le mec est aussi bas, c'est pas pour rien. C'est que c'est pas un gros joueur, hein. On va pas se mytho, valer son profil vite fait. Voilà, hein. Bah, le mec il a quand même fait 6K4, hein. Bon, voilà. Bon, vous voyez que là, elle a son profil, voilà. 7K, voilà. Et là, regardez, cette game, incroyable quand même, hein. Le profil vraiment incroyable, donc gros joueur de princesse, hein, Leslie. Donc, c'est parti pour la deuxième game, coup de tempête. Ok, bon, bah, c'est du ballon gel, est évidemment très très mauvais match-up, hein. Un pass mytho, frérot, Ouais, ballon c'est chaud de base, mais si le mec il y a une tornade, bouliste et tout le bordel. Déjà, en général, quand deux postes sont bouliste, en mode, ah, bah yes. Parce que c'est très très souvent ballon au cimetière. Ah, logique, ouais. Et là, c'est déjà la sauce. Et en fait, la vraie question, c'est comment on va défendre un ballon. Ok, la première de... Ok. Elle peut malheureusement pas qu'il y a tour du roi. Ah si si, bah regardez. Un placement incroyable là. Placement incroyable. Ça je sais le faire. Ouais, ça met bien ça. Ok, mousquetaire boule de feu, la logique. Ok, bon. Pour l'instant c'est clean. Pour l'instant il n'y a rien à dire. Pour l'instant, bah, je joue bien en fait, hein. C'est un peu normal en même temps de base parce que c'est le Game Pass les replays et c'est moi qui sais pas jouer 2.6 quoi. Bref, là les petits squelettes, je pense qu'elle va mettre au pont pour éviter le gel. Bah voilà. Ça rend bien au pont pour éviter le gel, hein, c'est très important parce que si le mec il a... Là quand on connaît ses decks, vous savez qu'il avait un gel, qu'il a un gel. Et si vous mettez les squelettes à côté de la tour, il va tout simplement gel et voilà, c'est la sauce. Donc là le placement anti-tornade évidemment. Qui est bien fait, hein. Ah, malheureusement le cochon qui passe à gauche. C'est le kill, mais on prend quand même un coup. Ça c'est pas mal. Là logiquement on va canon. Non, pas du tout. D'accord. Lui je suis en mettre des squelettes du coup. Bah logique des choses, on met des squelettes. Petit esprit de glace en haut. En bas. Okay. Bon ça change. Je pense que ça change pas grand chose. Là ça fait qu'est-ce que on fait quoi là. Golem de glace, ok. Bah ça c'est le match-up que tu dois connaître par cœur ça, hein, parce que là je sais pas qui va faire ça. Hein. Là parce que t'es bien à droite évidemment pour défendre le ballon qui va arriver. Là, bout de feu dans la logique des choses. Le pré-shot là. Alors là on va défendre comment là. On va prendre le coup de ballon je pense, non. Si on va prendre le coup de ballon. Logique. Ouais là, le ballon gel qui fait mal, hein. Le ballon gel contre 2.6, c'est pas bon ménage. Ok, pour l'instant ça... Yes. Oh le bon bait. Alors là, je suis pas sûr de la mousquetaire par contre. Mais après... Voilà, moi je suis loin d'être un joueur de pensée, ça.
Même l'autre un joueur cochon tout court de base. Ok, c'est clean. Hop. Voilà, mousquetaire qui est clean. Le petit squelette pour les tanker le dragon et l'ex, c'est carré, hein. Ah, le petit cochon. Tornade. Wesh, pourquoi le tornade pas? J'ai pas compris, là. Ah, parce que l'autre retour, ouais, presque qu'il y a une tornade. Ok. Le beau gun de glace. Oh, nice. Oh là là, oh la défense. Oh la défense. Oh putain. La défense qu'elle a chié là. Wow. Ouais, moi j'aurais déjà perdu depuis approximativement 1550 années. Approximativement. Ok, un cochon. Ok, un coup de cochon. Le petit squelette ici pour défendre parce qu'il y a le tour du roi, donc on en profite. Il y a un canon en plus. Enfin, un canon en plus. Ok, là le. Ouais. Elle a un objet de bleu feu très tôt. Ok, ça va, la défense qui est putain de clean par contre. Et la vraie question c'est comment on va passer. Parce que là, c'est bien beau depuis tout à l'heure, on défend. Et la pression, on peut pas la subir 1550 années. Au bout d'un moment, ça va craquer. Donc là, comment on va lui mettre des dégâts? Ok. Voilà, je pense, juste boule de feu. J'ai acquis une team là, par contre, je pense. Ouais. J'ai quitté une cible clairement. Ok, comment on passe? Oh, on a bien gratté à droite, hein. J'avais pas vu à droite, on a vraiment bien gratté. C'est pas mal là. Ouais, attention au push. Boule de feu, je pense. Alors là, j'ai pas compris la boule de feu là. Le cochon vite. Il va rater, il va rater. C'était chaud, attendez, je veux juste voir. Oh là là, c'était incroyable cette game. Cette game était incroyable. Un coup de cochon, est-ce que ça fait. Ouais, je crois que ça fait 401, un truc dans le genre. Oh là, alors par contre, la défense était incroyable. On a fait quoi de coup 421, voilà. Donc là, normalement, elle perdait sur ça. Ah, ça aurait été le coup dur, hein, honnêtement. On va s'ouvrir ça, vous savez quoi? Parce que j'ai 11 clés sur 10, tant qu'à faire. Bon, nous on va se faire une deuxième petite game en espérant essayer de gagner, hein, ça serait quand même pas mal. Ok, bon, je pense que c'est un petit cochon esprit, je pense, pour commencer. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est des formalités ici, hein, on n'a pas trop le temps. Ok, bon. Très bien, petite quête roue là. Ok, on va expliquer les quêtes sur la map. Ouais, je vais cycler ça parce que à bas niveau il y a beaucoup de fuir gobelins, donc je préfère garder la bûche pour l'instant. Après si je joue rien Ok, bon, la petite mousquetaire pour l'instant ça va. Ok, bourreau, bah là on va aller juste boule de feu bûche, je pense que c'est juste la meilleure solution. Ah nice, la bonne boule de feu là. Oula. Ok, je vois. Ok, le petit canon ici. Il va faire ça comme ça. Là on va y mettre le cochon en plus, je pense. Regardez, hop. Ça peut être pas mal. Et il a plus trop d'Elex. Ok, il a pas un gang. Ok, gobelin 13 ça m'arrange. Alors gobelin 14 ça m'arrange pas parce que la tour trichote. Mais gobelin 13 ça va, j'ai tout au niveau 13 donc ça va. Ok, bon. On est sur Valkyrie Return, à chevalier, gang de gobelins, bourreau. Du cochon, je suppose. Ok, on va mettre la Valkyrie haute. Je sais pas pourquoi il s'obstine à faire ce push. Hein. Alors moi, je vais à boule de feu bûche, hein, là, mais là, j'ai pas atteint à boule de feu cette fois-ci, du coup. On peut faire la même connerie deux fois. Okay, on va faire ce push. Là. Comme ça. Voilà, oh là là. Ok, là, on met le petit esprit de glace et je pense qu'on va aller cochon derrière. Hop. Ça peut être pas mal, je pense. Ok, le gang qui va se faire défoncer. Parfait. Là, on est vraiment bien. Un game. On va mettre une mousquetaire assez haute, je pense, cette fois-ci. Bon. Là, on joue bien. Je trouve qu'on joue bien, par contre, beaucoup. Après, on n'affronte pas des lumières non plus, hein, c'est ce qu'il faut dire.
Ok, bah je pense que cette partie reposée. Ah, nice. Oh là là, les gars, le rage quit. Ah là 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 là, le rage quit, les gars. Ah, ça fait plaisir, ça. Hihihiha. Hihihiha. Let's go, les gars. Deuxième 3 couronnes. Ça fait plaisir, hein. Écoutez. Ça m'a fait plaisir, on a fait une bonne vidéo. On a regardé une très très bonne joueuse de point 6 exploser littéralement tout le monde. Et ok, bon, il joue au cochon, il a pas joué de la game, j'ai pas compris. Bref. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne et à celle de Leslie qui sera en description, première dans la description. Et puis, c'est vrai coup, ciao ciao.